Oh, superbe. Et bon celui-là. Ah, il est pas mal du tout. Hein. Tire ralenti. Ah, Didier. Oui, Jean-Michel. Je disais, vous avez vu le style différent hein, d'Éric Bartoli. Autant que Philippe Roux, c'est main ouverte aux trois quarts. Et là, Éric Bartoli, c'est main dessous, vous voyez. Et ça part bien droit. Hein. Oh, celui-là, il est beau. Hein. Changement de couleur. Eh ben tiens, Chagnot, il enchaîne. Alors, on va pas dire que ça a équilibré la main, mais ça a quand même fait du bien. Hein. Super deuxième. Là, d'après là-bas, c'est le double. Donc, la première, je me double. Toi, tu ne dois pas tirer, faut qu'il en regagne le point. Ça ne fait rien. Après, si je me double, moi, je fais mon travail. Toi, tu n'as pas tiré dans la main, il faut qu'il en regagne le point. Après, il renvoie encore là, c'est à 7 mètres. Manque chic, que tu veux faire. Tu fais un carreau, ben, il te tombe dans l'œil. Ouais, c'est bien joué. Alors, deux boules pour les Marseillais, mais le point. 4 boules pour les Bordelais. Ah, ça s'est légèrement équilibré, mais quand même. Et Bordeaux qui devrait, malgré tout, marquer. Ouais, sauf que c'est loin, que ça peut se manquer. Ah, Bordeaux encore, hein. Ouais, pas sur celle-ci, en tout cas. Hein. Chagnot, il fait sa partie. Hein. Ah, Chagnot, il est omniprésent. Alors, c'est vrai que il est à chaque fois dans des bonnes conditions. Hein. C'est vrai, c'est souvent avec les mains dans l'avantage, c'est souvent avec une équipe qui mène. Mais bon... À mon avis, il faut les taper quand même. Hein. Oui, tout à fait. Ah, je me languis de le voir quand même un petit peu, j'avoue, dans des conditions peut-être plus tendues. Quoi, il a plus la pression, oui. Même si je pense qu'il il a les moyens d'assumer. Il n'est pas posé, non. Pas heureux là, Pascal, était bien joué sa boule. Hein. Ça va, je crois. Hein. C'est stoppé net. Il a gagné. Ah, on irait. Allez, Philippe Roux va vérifier. Oh, il y a 1 centimètre. Bon. Ben, je vais dire ça va alors, parce que on n'aurait pas mérité de le perdre celui-ci. Allez, Thierry Grandet, c'est loin. Pas droit. Chic. Thierry. Ah, il l'a bougé quand même. Alors, est-ce que le point est toujours marseillais? A priori, oui. Ouais. Allez, ils ont encore le compte. Hein. C'est ça, ça, c'était la boule d'avance qu'ils viennent de perdre là. Maintenant, ils ont encore le compte pour marquer. Hein. Voilà, bien tiré. Carreau. Ah, il y en a trois par terre. Hein. Ouais. Ce qui revient à dire, c'est que si Éric Bartoli gagne le point, Jacques Valéjou va avoir la boule de gagner, à condition il amène à faire un carreau. Je ne joue pas d'aller debout, là, non. Pour la marque. Tu le gagnes, tu peux marquer. Optimiste, les Marseillais. Si tu le gagnes, tu peux marquer. Ben, disons que oui, parce que en jouant dans les deux boules, c'est vrai qu'il peut, comme on dit dans le jargon, embrouiller, mais il peut ne pas gagner le point. Et quoi qu'il arrive, les Bordelais marqueraient. Que là, tant pis, il faut soit ils prennent Fanny s'il va les jouer, fait un carreau, soit ils marquent s'il va les jouer, manque. Donc il faut essayer de jouer la marque. À mon avis, c'est bien vu. Il y a 10 mètres. Valéjou n'a pas encore retiré. Donc ça peut compter. Ah oui, c'est sûr. Hein. Oh, parce qu'il ne gagne pas. Hein. Lâchez la boule. Il laisse 2 points par terre, Éric Bartoli. Et Valéjou va quand même tirer pour la gagne. Il avait beaucoup moins de pression. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Oui, c'est pareil, Jacques. C'était frais, toi ? Tu es capable de tomber de 100 fois. Je peux frapper, je peux manquer. Ah, ben c'est pas grave, c'est mal. C'est le jeu de tirer Thierry, parce qu'en pointant il peut pincer le bouchon et ne plus marquer. Alors ouais, faut tirer pour la gagne. Puis je vous dis, c'est un ancien tireur, Jacques Valéjou. Hein. Il fait carreau, il a gagné. C'est loin, hein. C'est très très loin, c'est vrai. T'as 2 mètres pour cadrer. C'est peut-être pas assez sans doute. Hein. Ah, c'était boule de match et ça fait 2 points malgré tout. 11-0 quand même, hein. C'est
Ça sent pas bon pour Marseille là, hein, dans cette triplette décisive. Que faire? Ils ont déjà tourné, puisque Roux a remplacé Bartoli au tir. Alors maintenant, il faut prendre le but, évidemment. C'est le jeu. Mais c'est pas évident. Ouais, c'est sur le banc, ça fait deux ajouts. Ils n'arrivent pas à réagir, les Marseillais. Ah, ils cherchent la solution, mais... Pour l'instant, c'est sans issue. On ne peut pas dire qu'ils jouent forcément mal, mais le problème, c'est qu'ils ne jouent pas ensemble. Un début de partie, c'est Bartoli qui a manqué. Là, cette semaine, c'est Philippe Roux. Eric Bartoli a fait carreau, puis la boule d'après, il est quand même laissé deux points par terre sur un jeu relativement facile. Voilà, ils n'arrivent pas à enchaîner. Non, ils jouent pas assez de boules dans les mains, en fait. Voilà, tout simplement. Oui, il faut juste droit, je suis un peu court sur toi. Ouais, c'est loin. Et on le sent contrarié, Bartoli. Ben oui, parce qu'il se doit se poser des millions de questions. Alors on va tirer tout de suite. Non, on va pointer et tirer. Ah oui, non, c'est Molt. Voilà. C'est un blond, mais c'est un blond. Ah oui, c'est un blond aussi. Bien joué. Parfait. Molt, il est régulier lui. Hein. Ouais, c'est vrai. Cette triplette. Ah Didier. Ah Didou. Allez. Hop, elle rentre bien celle-ci. Hein. Ah, elle joue à perfection celle-là. Sans risque en plus. Bravo Didier. Bien joué. Didier. Petit déplacement de bouchon. Deux par terre là pour Bordeaux. Ça fait rien, tiens tapé. Je préfère qu'il ne voyait rien et que t'es frappé que c'était manqué. Ah. Monsieur l'arbitre. On parlait du VAR tout à l'heure, voilà, monsieur Perrebouis qui est du comité du VAR. Parfait. Ah, il est encore. Il a encore fait sa main. Ah, il est. Franck Molt. Ah, il est. Ah, il fait les fonds. C'est pas de Rami Jopé. Hein? C'est pas de Rami. Problème, tiens, les femmes. Ah, il est. Pas droit, il a vu au départ. Hein. Mm-hmm. Il a su immédiatement Didier Chagnot qu'il n'était pas droit. Il est parti un petit peu de travers. Vous voyez le petit doigt qui se soulève. Ah ben voilà une main qui vire à l'avantage des Marseillais pour une fois. Il y a encore 4 boules contre 4, mais c'est vrai que avec ce point par terre, ça leur donne un léger avantage dans la main. Bravo, ah, bien tiré. Hein. On parlait de Franck Molt qui fait sa partie. Grandet aussi. Hein. Ah, voilà un entre, oui. Non. Vous voulez là, j'ai comme ça. Allons, moi, ouais. Allez, Eric. Ah, bon, monsieur, je croyais que t'étais dans l'ombre. Non, c'est pas l'ombre. Légèrement court, Bartoli. Allez. Il faut rentrer par deux. Faut tirer même. Faut tirer ? Ouais, oui, faut tirer. Allez, Philippe, essaye. Il faut tirer parce que ce jeu, il est pas très franc, Thierry. Et en voulant jouer la boule, il peut encore traverser Bartoli. Alors. Il faut pas manquer par contre. Hein. Bien, voilà. Bien. Deux boules à deux, le point par terre pour les Marseillais. Deux boules à deux. Les petites tapes, on a la plus près. Mais la mètre, la plus près. Et si tu veux en perdre une. Ouais, alors, si je fais parler comme j'ai fait, ils n'ont pas le droit d'y tirer, Jacques. Moi je tirerai parce que la scène est bonne. Déjà pour le gagner, il faut bien jouer encore. Mais je suis d'accord, il faut bien jouer. Non, je veux dire. On peut la mettre plus. Voilà. On peut la mettre plus près. Voilà, c'est... Ouais, mais...
tu marques pas. Moi, j'ai tapé. Eh bien, moi, je tirerai. Allez, si vous êtes deux contre moi, pas de problème. Voilà, la démocratie, ça. Voilà. L'avantage du triplette. C'est ce que j'allais vous dire. Quoi qu'on connaît des triplettes où c'est celui qui est seul contre les deux qui emporte le morceau. Hein. Wow. Vous pensez à qui? Pas de commentaire. Allez Eric, arrive. La scène était bonne. La scène était bonne. Logiquement, on ne doit pas marquer. Oh. Tu l'as gauche. Oh oui, attends. T'as vu tout à l'heure, il a perdu. Oui, non. Il a perdu d'un mètre. Même si tu pointes bien deux fois, logiquement, on ne marque pas. Bon. Pire, ah. Pire, ah. Ça c'est la feuille de score de Marc Alexandre, voilà, qui atteint la 13e main. Hein. Voilà. Ah, Grandet, il espérait que Bartoli se déchire un petit peu comme la main avant, mais voilà. Quand même Bartoli c'est pas tous les coups. Par rapport à tout à l'heure. Ouais, parce qu'il a mis la mise bonne. Eh ben oui. Et qu'est-ce que tu croyais qu'il allait la mettre mauvaise? Ah, de gauche on peut monter dans ma boule derrière. Tu peux faire parler, sans ça. On ne peut pas marquer. Tu veux tirer? Si tu veux pointer, du coup, tu veux, mais bon. Ils sont vifs, ils n'y même pas d'accord. On a que des blancs. Allez, Jacques, c'est là. Allez, on tire. Valéjo, il est logique, Thierry. Il dit si on a commencé à tirer, il faut continuer. Eh oui, ça c'est le principe. Lorsque l'on commence à tirer dans une main, a priori, on n'a pas droit. Ah, Philippe. Il la monte très haut, hein, sa boule sur le tir. C'est pas si fait parler, c'est bon. Il n'y a pas un style très académique, Jacques Valéjo, mais croyez-moi. Quelqu'un qui est capable de frapper beaucoup, beaucoup de boules. La Marseille va marquer. A priori, oui, mais même en faire deux, ça peut compter, ouais. Voilà. Ouais, c'est important. 2-11. Hein. Marseille qui inaugure son score. Ouais, c'est bien. Disons que ça peut être mieux. C'est déjà pris. Voilà. Et 11-2 en faveur de Bordeaux alors que l'on va débuter la 7e main, le 2e point marseillais. Le voici sur cet appoint de Philippe Roux. Oui, moi je pense que bon, s'il fait parler, il faut qu'il joue bien, marquer un bon. Le bouchon peut monter dans notre boule. Ça arrive, oui, mais moi j'en tire pas. Tu es un mot mieux. On cherche les lignes. Ah oui, là, on va faire les bordures. Oui, mais c'est, je ne fais pas les poissons, mais c'est marqué. Pour un moyen peu plus tu l'as fait. J'ai entendu Jacques Valéjo, il a dit je ne fais pas des poissons, mais c'est manqué. Ça va être en rapport avec vos amis brochés, brochures et compagnie. Quoi. Ça fait école, hein. Ah, ça y est, là. Vous devriez le faire breveter, Thierry. Ah, il faut aller encore, dis-nous. Allez, Didier. Allez, Didier. Ouf. Poil court. Est-ce qu'il était droit? Il était moitié boule, mais elle s'est pas donnée. Allez, encore. Le mec, il a un tir... Alors Raphaël Ripen un peu Chagnot, hein. C'est rasant. Hein. Bravo. T'es, celui-là. Bien, il est plus patiné. Il n'a rien à personne. La première, je suis droit. Mais c'est pris. Là. Ouais, un autre 4 mètres. Hein. Alors, on va. Ah oui, mais il fallait pas bon espérer bon que les Marseillais jouent à 10 mètres. Hein. Tu as vu, même si c'est pas, c'est un peu de l'autre. Ouais, c'est 15 devant. Moi, j'ai 4 mètres. Ah, c'est fini. Quand on joue à 6 mètres, ça n'avantage pas les tireurs qui tirent fort. En principe, oui. Voilà, Philippe Roux, lui, bravo. Il a bien assuré. Tirez, non ? Ah, que ça me passe, tirez. Moi, je veux bien, mais on va se piter, mais c'est pris, là. On va décider. Alors, 4 boules à 4. Bouchon à 6 mètres, le point pour les Marseillais. Deuxième pointeur. Deuxième pointeur, on va prendre notre boule pour bombarder. Hein. Bombarder maintenant, ce moment-là. Ouais, mais il faut faire parler. À grande Valéjo, hein. C'est à tous les coups. Si tu le gagnes, il peut manquer aussi. Non, mais il faut faire. C'est une position de style. Hein. Je pointe, ils ont du mal à se mettre d'accord, c'est clair. Ils sont jamais d'accord. C'est pas compliqué, là, depuis 3 mètres. Ok.
pointer. Elle le veut tirer dont on veut pointer. On a connu ça hein, dans des grandes équipes. Ouais, c'est bien fait, ça gagne. Ah si. Allez Philippe. Mais Philippe Rouge, s'il vient réussir, s'il vient à réussir un nouveau palais, il peut s'offrir une belle même. Bien blommé. Ah, bien tiré. Sans contre. Ouais, Jacques. Ouais, Jacques. Alors Valéjo, on va essayer de rentrer. Allez, cours. Restez planté. Regardez. Il a gardé les mains. Tirez, tirez. Ah, ce coup-ci, Chagnol est du côté de Valéjo. Ouais. Il va y aller, il va les écouter. Ah ouais, c'est la démocratie, deux contre un. Encore c'est prêt, c'est pas facile. Ouais, Caro, il a bien fait de les écouter. Fait une partie vraiment complète, hein, Grandet, tant au point qu'au tir. C'est un vrai phénomène, ce garçon, parce que c'est vrai qu'on a, on en a dit Julien après le championnat de France mixte où il avait été exceptionnel. Et là, il confirme. Hein. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, ça. Son épouse vient de lui offrir un superbe bébé. Hein, c'est vraiment l'année de tous les bonheurs hein, pour Thierry Grandet. Celui-ci étant évidemment le plus important et le plus gros. Bien rentré encore de la part de Franck Molt. Allez Thierry, volontiers. Allez Thierry. Allez Thierry. Ah, évidemment, il a suffi qu'on le dise. Hein. Pas droit. Ça marche à tous les coups presque. Ah mais Eric Bartoli a longtemps, longtemps depuis le début de cette demi-finale, doublette compris, Thierry, qu'il n'a pas eu de moule pour ajouter. Hein. Il était souvent un je petit peu... Je sais même pas si ça s'est produit déjà. Ah oui, depuis le début, il est plus souvent le pauvre... Le pompier. ...à défendre qu'à, allez, qu'à ajouter. Hein. Pas faire au là, hein. Ouais, première est rentrée. Ouais. Si, il ne boude pas son plaisir. Hein. Il est tout content de jouer celle-là. Oui, parce que Marseille va monter à 5 s'il ajoute celle-ci. Ça fait quand même un petit peu moins désordre sur la table de Marc Jean-Michel, 11 à 5. Et puis surtout 5 à 11, rien n'est fait. Hein. Eh oui. Début de la 8e main avec Marseille qui revient dans cette partie avec 3 nouveaux points. 11 à 5 en faveur des Bordelais. Allez. Allez, 6 mètres, on croise. Hein. Voilà, de là, il y a 40 mètres. Alors là, c'est de la mini pétanque, hein, quasiment. Là. C'est du petit jeu, comme on l'appelle. Là. Ah, c'est. Non, ouais, mais là, je vais qu'une chacun. Normal. Moi, je. J'aurais pointé avec la boule à Jacques. Moi, je vais te dire, Thierry, toi, t'aurais pointé. Bon, faut tracer comme ça. Moi, j'aurais pas pointé du tout. J'aurais même pas pointé, moi. Ça fait pas aller. On discute toujours de la même précédente hein, à Bordeaux. Ah, Grandet, Valéjo, ils essayent de se mettre d'accord mais ils n'y arrivent pas. On a tiré à 10 balles alors que les points étaient à ça et là on ne tire pas alors qu'il est à ça. Allez, bien pointé, elle est devant. Rien, tu peux me la ficelle comme on fait là. Aïe, doucement, hein. Tu peux me rentrer la ficelle là.
Et la ficelle, le fil quoi. Bravo. Oh. Bien parti. Bien tiré Chagnon. Merci. Bien. Ouais, de toute façon, à mon avis, vous continuez à tirer les Bordelais, non? Non? Pas évident, pas évident. Bah, pour réfléchir quand même. Hein. Eh oui, regardez, il y a discussion. Hein. J'ai envie de pointer encore. Mais tiens, non, elle est derrière. Souvenez-vous, hein, dans la doublette tout à l'heure, on les avait déjà vus jouer la défense. Hein. Hein, ah ouais. Ceci dit, ça leur réussit, hein, donc on peut pas les blâmer. Hein. Sinon, il faut tout taper. Eh oui. Ah ben, on va pointer. C'est pas les jouer non plus. Hein, moi, je retire. Les deux écoles étaient bonnes, à mon avis. C'est vrai qu'en tirant, après, il faut plus arrêter. Il faut tout frapper. Bravo, bien. Allez, il a gagné. C'est moyen, mais ça va bien. Allez, Philippe. Marseille va tirer. Ouais, ça va la pousser. Ah, Marseille, ils sont obligés. Hein, là, le problème, c'est que Marseille, ils ne peuvent plus manquer. Quoi, maintenant. Ils ne peuvent pas manquer cette semaine. C'est peine de perdre. Oh. Aïe, aïe, aïe. Il fait contre sur la sienne, il est malheureux. Le malvenu celui-là. Hein. S'il garde le point, ça va, mais a priori même pas. Hein. Ah ouais, ils ont perdu le point. Là, Thierry, ouais, à mon avis, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Partir au bouchon. Ah oui. Ils font pas trop le jeu de boule, ça leur réussit pas. Non mais ça c'est sûr, je veux dire. Oui, en doublette. En doublette, mais j'ai un qui est pas deux. Voilà, bah d'accord. Allez, viens, fais ton plaisir, on va là au plan. Allez, le bouchon. On va être vite fixé dans cette partie, Jean-Michel. Oui, de toute façon, il faut, parce qu'à 6 mètres, ils ont 3 boules contre 4 en printemps, à mon avis, c'est réglé. Bah, ils sont obligés de tirer au but. La première est manquée. Sauter au fil quand même. Hein. Ouais. Pas grave, vieux. Allez, encore une chance. Allez, Eric Bartoli, allez, Eric. Il en a tapé des dizaines dans sa carrière. Mais celui-là. Molle, t'as encore une boule? Oui, oui, oui. Oh. Allez, là, il est court. Aïe, ils peuvent serrer la main. Hein. Ouais, a priori. Ouais, ils peuvent serrer la main. On va aller jouer hein, quand même. Oui, oui, non, on sait jamais, mais bon. On peut tenter une fois, Rooks. Ah, il l'a effleuré. Mais Philippe, c'est la mouchonnée. Hein. Et je me l'ai. Hein ? Voilà, bouchonner ouais. Et après espérer que Chagnon. Embouchonner et prier. Ait une quelconque peur de gagner, ce qui m'étonnerait. Philippe Rooks, elle monte, c'est gagné. Ouais. Ah, dis-vous, bah voilà, c'est frappé gagné. Hein. Ah oui, oui, là, c'est... Ah, c'est terminé. Hein. De toute façon, on avait 4 boules en main. Ah, Didier. Ah, Didier. Tranquille. Sur un plateau, cette place en finale pour Bordeaux. Ah ouais, bon, Chagnon. Se retrouver en finale après ce tir, certainement. Voilà. Voilà, c'est fait. La victoire bordelaise, une fois que Valéjo aura ajouté tranquillement le 13e. Et Bordeaux qui n'aura pas été inquiété hein, dans cette partie, même si on a bien cru que Marseille pouvait revenir à un moment de 11 à 0. Ils sont revenus à 11 à 2, puis 11 à 5, pour finalement s'incliner sur cette boule, sur le score de 13 à 5. Bordeaux qualifié qui rejoint Angers pour la finale.
Eh bien, ce sera Angers face à Bordeaux, la finale inédite du Trophée des Villes 2003 Sport Plus, deux demi-finales qui finalement se sont terminées de la même manière, Jean-Michel, peut-être avec des équipes qui avaient joué leur demi-finale avant de débuter les parties, je pense à Marseille et Montluçon, parce qu'il n'y a vraiment pas eu photo, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ouais, Thierry, notamment Marseille. C'est vrai que Marseille, on l'avait dit, ils avaient été impressionnants en quart de finale. Et puis là, ça a été un petit peu le trou noir. Ils n'ont pas été très bons en doublette. Ils ont été même plutôt médiocres. En triplette, on avait un petit espoir parce que cette équipe en triplette avait fait énorme, vraiment une superbe impression en quart de finale. Et non, ça n'a pas marché. Bartoli n'était pas dans le coup. Il a fallu tourner. C'est Philippe Roux qui a tiré. Ça a bricolé en face. Ça a super carburé. Alors depuis le début de ce trophée des villes, Jean-Michel, vous me parlez de Bordeaux en me disant attention, attention, Bordeaux, on ne connaît pas forcément tous les joueurs, mais ça reste très homogène, très 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 bon, à l'image de Nevers la saison passée. Persistez, vous signez bien évidemment Bordeaux jusqu'au bout. Ah là, j'ai beau jeu de le faire. Mais je vais vous dire, Thierry, s'il faut quand même regarder un petit peu les joueurs qui sont dans cette équipe. Valéjo, c'est un des meilleurs joueurs aquitains depuis très longtemps. Planton, il a été vice-champion de France en 98. Grandet, il est champion de France mixte en titre. Et le dernier, c'est Chagnot. Il est en équipe de France, dans l'équipe de France depuis 3 ans. Quand vous faites un vrai groupe avec ces 4 joueurs, vous avez une superbe équipe. Voilà, bon, on découvrira ça dès la semaine prochaine sur Sport Plus avec cette super finale du Trophée des Villes 2003. Angers face à Bordeaux. Merci d'avoir été avec nous. Salut. Salut.